les premiers êtres dans la terre, c'était les animaux. Moi, dans ma tradition de mon grand-père, il y avait les ancêtres qui sont devenus des entités, des dieux. Et puis après, il y a les premières, les loups. Kumukite, ça veut dire les loups. Et puis, leur but était de chasser un cerf. Pour moi, dans ma tradition, moi, je suis un loup. C'est ça qui nous fait rêver, quoi. Quand moi je me réveille et puis je me donne le temps de pouvoir être dans la nature, puis voir un lever de soleil, une coucher de soleil, faire une rencontre, pour moi c'est ça qui me donne le moteur pour pouvoir continuer. Une fois, j'étais entouré par une septantaine de chevreuils autour de moi. Et puis, je courais, et puis où ils couraient, les petits venaient vers moi, ils n'avaient pas peur. Et puis, ça, il n'y a pas de prix, quoi. Et c'est ces moments-là que je recherche quand je suis en forêt, quoi. C'est, voilà, quoi. Être plus près des animaux, de les comprendre pour pouvoir, moi, me comprendre, moi. Je suis né au Mexique, dans une grande ville qui s'appelle Guadalajara. Et c'est la terre du tequila. C'est le seul endroit où ça pousse le tequila. J'ai 4 frères. Et puis, dans un de mes voyages dans l'intérieur du Mexique, j'ai rencontré ma femme, qui s'appelle Emily. Et puis, on a décidé de venir en Suisse. Et on a dit, on tente la chance, on essaie d'économiser. Et puis, voilà. J'ai arrivé en janvier 2001 ici. Je suis vite trouvé du boulot comme peintre. Et puis en 2010, on a trouvé cette maison. Donc ça fait 10 ans, un petit peu plus de 10 ans que je suis à Saint-Georges installé. Et puis je sais pas si je vais un jour m'en aller, quoi. Je suis indépendant depuis 2006. Je voulais avoir du temps pour moi, pour passer du temps dans la forêt, pas que à la chasse, mais moi j'aime bien faire la cueillette des champignons, moi j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien avoir cette liberté que quand je suis par exemple là, mes copains ils m'appellent, ils me disent « Allez, on a besoin que tu viennes, on a les sangliers qui sont tout prêts. » Alors moi je laisse mes pinceaux et puis je vais à la chasse, quoi. Ça descend. Et puis il y a des rouillés là-dessous, moi. Ouais, mais il y a des rouillés partout. Ouais, mais là, c'est. Tout le flanc, ils sont passés. Les deux passages, là, ils sont. Tu vois les trains. Et là, s'il va sur la crête, puis tu sais, t'as le chemin qui monte à la Roche du Ciel. Ouais, il faut qu'ils se mettent là.
Le Roland Vader, c'est le dernier Charles. Ouais, le dernier. Celui qui est passé, où ils l'ont passé les sangliers quand on avait les petits. Là, que y avait... bah, ouais, une fois, il était lui. Et puis ça passait vraiment au ras de chalet, le dernier. Ils connaissent que je suis différent. Bah, ils m'appellent indien. Ouais, si jamais. Au début, c'est quand même assez difficile. Parce que. Bah, c'est le canton de Vaud. C'est tout simple. Et eux, ils te voient, ils te disent bonjour, mais ils se posent énormément de questions. Bah, j'ai connu une personne, l'autre personne m'a présenté un autre, une famille. Et je commençais à faire les liens avec différentes personnes. En étant moi-même, pas vouloir faire comme eux, parce que moi je suis très fier de ce que je suis, mais en même temps, bah, je suis dans son pays, il faut que je m'adapte. Et ça, j'adore, parce que j'ai un sacré mélange des langues dans ma tête, mais j'arrive quand même à leur parler comme eux ils parlent. On voit qu'il a eu chassé à l'arc, parce qu'à l'arc, c'est distance maximum, c'est 18-20 mètres, grosso modo, je crois, pour décrocher une flèche. Et là, il a pris ce pli pour certaines chasses à l'approche, de vraiment se fendre dans la nature, avancer tout gentiment et arriver à moins de 20 mètres des bêtes. C'est un tout bon pour ça. Un petit peu moins pour nous, parce qu'on n'a pas trop cette habitude. Attention les œufs! Biche, feu, après nous offrir une biche, d'être avoir une bichette, après encore un feu. Super dimanche, quoi. C'est agréable pour les yeux. Mais ça monte pas, hein. Disons qu'ils sont. Ils sont pas comme nous, ils fument pas, quoi. Ils ont les poumons qui fonctionnent. Non, super dimanche, quoi. C'est bon. Maintenant, ben, on a tenu. Parce que les sangliers sont pas là, ils ont bouillé, mais alors je pense qu'ils sont un cran dessus ou quand ils rochers. Il y a les bauches là. Cool. Quand le flanc des rochers, ouais, ils ont ben les wichts. Les wichts, hein. Ils sont passés, ça sont sangliers. Mais là, le petit, il est parti. Oui, il est descendu. Il a pris la piste. Il y a quelque chose, il a levé le nez. Merci. Ah. Gardez-vous, hein. Ferme le chalet là-bas. Ouvre. Victor, il a ce don là. C'est une personne qui connaît beaucoup de choses et il s'intègre facilement. Contrairement à bien des étrangers, lui, il était ouvert. Et puis il connaît la langue, mais je pense que le Mexique, ça change de certains autres pays. Oh, puis même aussi certains Vaudois, faut s'y admettre. On est moins sociable ou on n'aime pas. Tandis que lui, il s'est toujours intégré, et puis correct. Oui, en définitive, il est des fois plus suisse que mexicain. Il y a juste l'accent des fois qui change un peu, mais non, il sait s'intégrer. Rien. Pas du tout. Non. C'est mort. Bon, il bah, y a les pattes de loup. Bah, c'est tout frais. Bah. Il était allé même boire de l'eau à la grande souille là-haut. Et il y en a 3-4 pattes de loup. Vendredi, c'était là. Hein. Ben oui. Ben, vendredi, samedi. Samedi, oui. S'il y a les prédateurs, ils veulent pas rester là. Il y a une pointe d'eau que nous on appelle la souille. Et puis là, tu vois les traces de cerfs, tu vois les traces de chevreuils, de sangliers, mais tu as aussi les traces de loups. Donc, ils sont assez fraîches. Donc, voilà. Et puis comme on a une motte ici de loups, ouais, il y en a 11 qui ont été comptabilisés, 11, 13. Mais ça devient triste, hein. Donc, voilà. On a essayé.
Il y a de la concurrence, donc. C'est la bonne concurrence, à mon avis. Comme j'ai dit au début, si un Mexicain a le droit d'être là, le loup, le lynx, ils ont aussi le droit. Je ne sais pas, moi. À l'âge de 16, 17 ans, quand on commence à se poser des vraies questions sur la vie, sur notre présence, sur tout ça, je ne sais pas si c'était conscient, mais c'était plutôt un besoin que j'avais de m'approcher d'une culture, une tradition. Là, je fabrique une flèche. Et c'est une flèche que moi, je prépare à Bon-la-Chasse. Et puis, qu'il y a des petits éléments comme des sandales pour marcher droit, le chapeau pour avoir des bonnes pensées. Tout ça, c'est représentatif de moi. Avant d'aller chasser, je prépare ça avec une prière et ça, je l'offre à la terre. Si je chasse un animal, j'offre ça en représentation de moi-même, en disant, voilà, moi, je chassais. C'est pas quelqu'un d'autre, je le fais avec une manière respectueuse. Et puis, voilà. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Il venait d'une ethnie qui s'appelle Wirarica. Il a appris la médecine, il était un guérisseur. Il m'a appris à chasser et on avait un super contact. Je passais plus de temps avec lui qu'avec mon propre père. C'est des champs, c'est le grand-père, et lui quand il chante pour remercier la vie, il fait ce qu'on appelle un tricotage. Il tricote des lieux, tous ces mots, c'est des personnages, c'est des ancêtres. Il parle de l'eau, il parle de la mer, il parle de la terre, il parle du feu. Et tout ça, il fait comme un grand tissage.
Ça, c'est les traces de morsures. C'est pas une bête qui est morte comme ça, naturel, parce qu'on voit comment les côtes sont fêlées. Ça, c'est le loup. Quand je vois ça, j'ai l'impression de sentir qu'il y en a des autres qui ont besoin de survivre aussi. À mon avis, eux, ils le font avec du respect. Moi, je pense pas qu'ils tuent pour tuer, quoi. Ils tuent pour manger. Et puis, nous, on essaye de comprendre ça. Moi, je suis pas contre le loup, mais si je serais le paysan, je serais un peu embêté. Dans les tribus, notamment chez moi, nous on croit que le chasseur en soi, il a appris toutes les techniques de chasse grâce au loup. J'aime bien essayer de me rapprocher, c'est beaucoup plus difficile qu'un chevreuil ou un cerf, mais j'ai quand même réussi à m'approcher assez près. C'est beau de les voir, quoi, c'est juste sublime. Les yeux, quand ils sont en train de tourner entre la vie et la mort, il prend un ton bleu. Et nous, on appelle ça Mukuyawi. Ça veut dire que ça va changer d'une vie à l'autre. Pour nous, c'est super sacré. C'est pour ça que je prends le couteau et puis je regarde dans les yeux. C'est regarde-moi. C'est pas une pratique sanguinaire, c'est plutôt une pratique humble de dire ben voilà, je te respecte et puis au revoir, quoi. Je peux comprendre qu'ils n'aiment pas qu'un homme tue un animal inoffensif et tout ça. Okay. Moi, j'ai pris ça par tradition. J'ai du plaisir de tuer, non.
mes plaisirs quand je le mange et quand je l'offre à quelqu'un et puis que je fais un échange avec, oui. Ça sent bon mes poireaux. Ça va. Tu vas manger. Je suis pas du tout, contrairement à lui, chasseur, donc je ne tuerai pas un animal. Moi, j'ai de la peine à tuer une souris. Il y a aussi encore un brocoli. Ouais. Là, il y a un autre. Ah ouais, dis donc. Bah, moi, j'adore jardiner, donc je fais pousser des légumes. Et puis, bah, j'aime bien donner à gauche, à droite, surtout à Victor. Si j'ai des légumes en trop, bah, voilà, on en profite. Hein. Il y a encore deux. Voilà, ça va être du bon. C'est un bonheur de partager ce que j'ai fait pousser avec amour. Un peu moins de sang sur question légumes, effectivement, mais oui, tout à fait. Donc on s'offre ce qu'on a pêché, ce qu'on a fait pousser, ce qu'on a chassé. C'est un partage. Et puis c'est ça qui nous convient, et puis c'est ça qui, je pense, qui fait avancer la vie. Voilà, parce que comment le cerf, il sèche. Il sèche. La rencontre avec Victor, c'est... Moi, je trouve que c'est un bien aussi pour les enfants, pour leur montrer d'où... Enfin, plusieurs nationalités, plusieurs façons de faire. Et puis, bah, surtout sur la chasse aussi, d'où viennent les choses qu'on mange. Parce que dans les grandes surfaces, on ne peut pas toujours exactement leur expliquer d'où ça vient. Et puis là, il est là aussi pour nous expliquer comment il l'a tué, dans quelles règles, parce qu'il a quand même une façon de faire qui est différente. Et puis qu'on peut manger voilà, quelque chose de ce qui vient voilà, d'un vrai chasseur, d'une vraie façon de faire. Bientôt, Gara. Bientôt. Pour le fait, c'est Victor qui fait les grillades. J'aime pas la viande industrielle. Je suis contre cette. Cette façon de traiter les animaux. Moi, je mange pas de poulet, j'achète pas de poulet, ni de porc, ni de la viande du bœuf, rien. Moi, je suis super contre, quoi. Donc, finalement, on n'est pas aussi différents. Simplement que moi, j'arrive à le faire, et il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. C'est bon ? Très bon. C'est pas bon ? Très bon. Ah oui, très bon, magnifique. De la forêt à l'assiette, magnifique. Oh, c'est bon. Après, il y a des autres qui ne mangent pas du tout. Moi, je les respecte. Et puis des autres qui ne vont jamais me comprendre. Peut-être qu'ils vont me crever les pneus un jour. Maintenant qu'ils savent très bien ma camionnette et tout. Mais je n'ai pas peur de montrer qui je suis. Et si eux, ils me respectent, moi, je les respecte. Adieu, les bébêtes. Adieu. Elles sont chaudes avec ça. On est acheté. Ils sont toutes jaunes. Ouais. Elles sont toutes belles. J'ai commencé à venir ici, je crois qu'elle était à ce niveau-là, je pense. Parce que je voyais encore les chamois ici. Ici, c'était pas encore creusé. D'accord. Mais... Non, c'est la folie, hein, ouais. C'est mon grand-père qui m'a fait devenir un meilleur être humain. Je suis pas comme lui, je ne me prétends pas.
Mais un jour, peut-être, j'arriverai à être plus en contact avec la nature et puis les respecter beaucoup plus. Ça, c'est ça le but, je pense.